si vous voulez vous servir, vous pouvez vous servir pour les outils. Les armes sont à disposition et pour l'ensemble des participants, cette fois-là, le champ de bataille bien défini. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la dernière zone qui est ici, donc tout au fond. Il y a des sujets très faciles à enlever, il y en a qui sont plus compliqués. Et la priorité, c'est surtout d'arracher tout ce qui est racinaire. Pardon. Alors, au grand mot, les grands remèdes, Vincent, lui, il va à la pioche pour mieux saisir les racines. La racine, c'est ce qui est horizontal au niveau du sol. Donc, si on n'enlève pas ces racines-là, si on n'enlève que la partie supérieure, la racine va continuer à vivre. À vivre et à proliférer. Importé d'Australie début 19e, le mimosa a depuis colonisé le massif de l'Esterel. Pour les spécialistes, c'est l'acacia dealbata. Pour le grand public, mimosa d'hiver. Côté esthétique, son jaune est très séduisant. Mais côté botanique, le végétal s'avère beaucoup plus embarrassant. Le mimosa, on dit en moyenne qu'il a une croissance, en moyenne bien sûr, d'un mètre par an. Donc il se développe quand même très rapidement. Donc petit à petit, il va empiéter. Il va prendre beaucoup de place et en fait, petit à petit, on va retrouver principalement du mimosa et moins d'espèces locales. Autre inconvénient, la plante est très inflammable et productrice de toxines nuisibles aux autres espèces. Bref. C'est la fierté de la Côte d'Azur, mais c'est une vraie teigne. C'est une peste parce que ça prend la place des autres végétaux autochtones. Alors avec d'autres bénévoles, Sophie et Vincent se sont remontés les manches pour repousser un peu l'envahisseur. Dans l'Esterel, le Conservatoire des espaces naturels organise le même type de chantier 4 fois par an.